Alors, il est de plusieurs ordres. Il y a d'abord eu un dispositif de très court terme qui a été défini dès le mois de mars avec une contribution de 28 milliards d'euros pour l'ensemble de l'Europe. L'idée étant de financer les partenaires bancaires, publics et privés, de telle manière qu'ils continuent à financer l'économie au plus proche des territoires, ce que la BEI ne pouvait pas faire directement dans un temps aussi court. Donc il y a eu des instruments de prêt, mais aussi de garantie de portefeuille. Dans un deuxième temps, et en accord, en discussion avec les États membres, il a été proposé de créer un fonds de garantie doté de 25 milliards d'euros. L'idée étant que ce fonds de garantie va permettre à la BEI de venir en soutien, en financement des entreprises, des intermédiaires financiers à hauteur de 200 milliards d'euros. Donc capacité de mobilisation de 200 milliards pour l'ensemble de l'Europe. On est encore en discussion avec les États membres sur la gouvernance et sur le mode opératoire, mais la décision a été prise grâce à une contribution donc, des États membres. Et on est très attentif aux différents plans de relance nationaux qui sont en cours de définition par chacun des États membres, avec le même message, c'est le message qu'on a porté notamment en France auprès du gouvernement Castex, c'est que les axes qui ont été définis par le Premier ministre correspondent aux capacités et en tout cas au secteur d'éligibilité de la Banque européenne d'investissement. Et donc nous sommes en mesure, avec nos partenaires tels que le groupe Caisse des dépôts, donc la BPI, la Caisse des dépôts, CDC Habitat, de venir en soutien et en cofinancement des secteurs ou en tout cas des projets qui ont été identifiés et qui seront accompagnés par France Relance. La Banque européenne d'investissement est en elle-même en pleine transformation. Elle a vocation à devenir la Banque européenne du climat. Cette transformation s'est faite déjà sur la base de trois engagements très forts, c'est-à-dire l'exclusion des projets dont l'énergie est d'origine fossile, l'augmentation de notre activité en termes quantitatifs, de notre activité orientée vers des projets qui ont un impact positif sur le climat. On s'est engagé de passer de 25 à 50%, ce qui devrait se traduire à plan d'activité constant à un passage de 15 à 30, 32 milliards d'euros d'investissement annuel en faveur de projets qui ont un impact positif pour le climat. Et avec notre capacité de mobilisation, qui est de l'ordre de coefficient de 3, c'est 100 milliards annuels qui seront fléchés vers des projets donc favorisant la transition énergétique. Et le troisième engagement, c'est un alignement de l'ensemble de nos portefeuilles sur ce qu'on appelle les accords de Paris, donc qui ont été pris dans le cadre de la COP21 en 2015. C'est-à-dire qu'on part du principe que c'est très bien de financer 50% de projets qui ont un impact positif, mais si sur les 50% autres, vous financez des projets qui ont un impact négatif, votre bilan global n'est pas forcément positif. Donc l'idée, c'est que l'ensemble de notre portefeuille n'ait pas d'impact négatif sur le climat. Et notre conviction, c'est que par ces investissements, auprès des entreprises, avec nos intermédiaires financiers, que ce soit des banques ou des fonds d'investissement, mais aussi avec les collectivités locales qui aujourd'hui s'inscrivent dans cette démarche et dans cette transition, nous allons garantir la compétitivité de nos entreprises et de nos territoires. Aujourd'hui, moi sur le terrain, je rencontre beaucoup de chefs d'entreprise, mais aussi de présidents de région qui me disent « je veux que ma région soit la première région neutre en termes de carbone ». C'est-à-dire qu'en faisant aujourd'hui des investissements sur la mobilité, sur l'accompagnement des entreprises, sur les infrastructures publiques, ils essayent de garantir que leur propre territoire sera attractif. Et c'est la même chose auprès des entreprises, et c'est cette crise quelque part révèle et accélère cette transition. C'est-à-dire que les entreprises qui avaient elles-mêmes investi dans la transition énergétique et dans leur propre transition, qui suivaient des critères ESG dans leur activité, aujourd'hui sont aussi plus résilientes. Et quelque part, c'est ces investissements-là qui ont fait leur compétitivité et qui feront leur compétitivité. Et donc le rôle d'un acteur comme la Banque européenne d'investissement aujourd'hui, c'est de venir aux côtés des entreprises, aux côtés des collectivités et aux côtés des banques pour accélérer cette transition, convaincu que ce sera ces investissements-là qui garantiront la compétitivité et donc l'attractivité des territoires et des entreprises de demain.